Votre soutien est toujours apprécié. 11 minutes. Ça le fait pas. J'espère vraiment que c'est le dernier niveau là. Allez, allez.
C'est bon. Allez, c'est bon. Bon, on va pas poser plus de questions, de toute façon. Non? Putain, c'était pas là. Si? Je sais pas, c'est chelou, je vois de la glace là, mais. Je pensais que c'était le dernier boss. Ah, c'est pas vrai. Combien de temps il me reste? 5 minutes. Quatre minutes. Il y a ta glace. C'est bon. J'ai moins de 4 minutes pour la fin. Nous ne pouvons pas laisser ce monde succomber aux ténèbres. C'est bon, donc ça c'est ok. Et il me reste 2 minutes 30. Eh ben on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. C'est cool. Depuis le temps que j'ai cette quête là et que qu'elle est dans ma to-do list. Nous avons tous un devoir à accomplir. Voilà. Cette quête est faite. Du coup, ben, le serveur va redémarrer dans une minute. Nous, on va s'arrêter là pour cette session de tournage, du coup. Et puis, ben, moi, je vais retourner au travail, du coup.
Et puis la prochaine fois, je pense que nous irons en Zeres Mortis pour terminer, pour continuer notre campagne. À moins que j'ai subitement un point, comment, quelque chose qui s'est déclaré là. Mais je pense que la suite est Azeres Mortis. Donc on doit continuer là où on était bloqué. Allez, à plus tard. Bien, nous nous retrouvons comme prévu en Azeres Mortis. J'ai été voir du coup au sépulcre. Il n'y a pas de PNJ. Sylvanas n'est pas là avec les autres. Donc, pas de nouvelles. Je suis un peu coincé. Il y a des quêtes là de Bolvar. On va juste checker ce que c'est. Il y a beaucoup à faire. Il y a la couronne brisée et les motifs imbriqués à l'infini. On va voir un petit peu si ça débloque les choses. Du coup, nos amis sont... Donc, on va reprendre un petit peu Azeres Mortis. Essayer de progresser un peu ici. Si ça se trouve, c'est là qu'il faut être. Nos amis sont revenus du sépulcre fondateur. Accompagnés d'un visage familier. Anduin. Quoi? Bon, on a sauté une étape, visiblement. Il a subi des erreurs sans nom. Ce sera difficile et douloureux. Mais nous devons découvrir ce qu'il sait avant de partir à la poursuite du geôlier. Ce dernier a condamné l'accès au sépulcre. Et nous risquons de succomber à notre tour à la domination. Si nous le suivons à l'aveugle, Anduin est notre meilleur atout. Parler à Anduin dans la caverne géométrique. Okay. Et donc ça, c'est bien une quête de campagne. Bon, ça, ce sont les quêtes journalières, on les fera pas. Vous avons beaucoup demandé, mais il faudra encore bien plus. Bon, visiblement, c'est pas là. Savez-vous quoi que ce soit de la domination déployée par le geôlier? Non. Je regrette, mais... Je ne sais pas comment lutter contre. Ce n'est pas grave. Reposez-vous. Nous trouverons une solution. Il y a beaucoup à faire. Nous remettrons les choses en... Cinématique. Comprenez pas. Son âme est liée à moi. Antoine ! C'est ton véritable dessein. L'annihilation. Le destin de tous ceux qui brandissent ma lame. Mon fils, cette lame n'appartient pas aux ténèbres. Elle a été forgée par la vaillance. Mais aussi...
ici par l'honneur. Son héritage est le nôtre. T'accompagne, même ici. À présent, il est temps d'en finir. Ah putain, je n'avais pas reconnu l'épée. Arthas. Est-ce là tout ce qu'il reste de lui ? La dernière lueur de son esprit meurtri, consumé par les forges du geôlier. Ni couronne, ni trône, pas même une âme qui puisse être jugée. Je vous haïssais. Ah, c'est pas vrai. J'étais à votre poursuite. Avec chaque pas, chaque acte égoïste. Moi, je te rappelle après. Je devenais comme vous. C'est là le fardeau qui est le mien. Mais votre héritage, lui, touche à sa fin. Disparaissez, Arthas Menethil. Puisse le dernier murmure de votre nom s'éteindre et être oublié. Excusez-moi, j'ai dû mettre en pause l'enregistrement le temps de l'appel. Client, hein, voilà. Je peux jamais être tranquille. Bon. Eh oui, parce que je rappelle, YouTube n'est pas du tout mon métier. Hein, j'ai trop peu d'abonnés pour ça, clairement. Et j'ai un métier à côté. Je suis informaticien. Voilà. Ah, j'en profite. Alors, je ne sais pas. Voilà, il faudra que je fasse une vidéo pour ça. J'en profite avant de reprendre. J'ai ouvert un Tipeee si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube. Le temps que j'y passe. Voilà, il y a un Tipeee qui est ouvert. Si vous allez dans la page d'accueil de ma chaîne YouTube, vous avez le lien en haut à droite. Voilà, vous trouverez assez facilement. Mais je me suis décidé à ouvrir une page Tipeee. Utip a fermé. En fait, le truc, c'est que Utip a fermé. Vous êtes certainement au courant. Et du coup, j'en ai profité pour faire une page Tipeee et j'ai pas encore communiqué dessus. Mais voilà, il y a une page Tipeee d'ouvert. Si vous voulez soutenir 1€ ou 2€ par mois, vous pouvez. Bon, on continue. Quoi qu'il arrive, nous ferons. Ce vol ne nous empêche d'aller plus loin. Si nous voulons le vaincre, il faut trouver le moyen de résister à la domination. Avant d'y parvenir, nous devons comprendre son fonctionnement. C'est le primat de Madraxus qui a créé la domination. Il pourra donc nous en apprendre davantage. J'ai demandé à Taïla d'apporter une partie du homme de domination en Zeres Mortis. Je ferai mieux à l'idée de ce qui risque de se passer si je le remets. Discutons à la marche de la marche à suivre. Écoutez le plan. Nous nous dressons ensemble contre les ténèbres. Zonval a dû dominer les Ottomans pour accéder au sépulcre, mais ils n'ont pas succombé immédiatement. Avec le home de domination, nous découvrirons peut-être la source de leur résistance. Vous voulez vraiment? Après tous les ravages qu'il a faits? C'est un risque à prendre pour résister à la domination. Nous avons tous un devoir à accomplir. C'est un plan qui pue, ça. Combattez pour Azeroth. Ah, sans entrave.
J'ai créé la domination dans le but de punir Zoval. Putain, mais c'est contre toi en fait qu'on devrait se rebeller là. C'est toi qui devrais le juger. C'est ma haine qui a façonné cette création et aujourd'hui nous payons le prix de mon orgueil. Il arrive aux éternels de commettre des erreurs. Heureusement, il nous reste un espoir. Prenez cette moitié du homme brisé et utilisez-la sur un des vôtres. Si elle retient suffisamment de... Si elle retient suffisamment de puissance, vous pourrez procéder à d'autres essais en Osiris Mortis. Essayez le Hound de Domination Brisée sur Darion Morgan. L'heure de la bataille est proche. Ma porte volontaire. Pour le bien de tous, je peux endurer ce calvaire à nouveau. Prenez le Hound. C'est vous qui avez la meilleure chance de lui résister. Ah, oui, excusez-moi, il est là, l'homme. Ah, vous êtes sur une monture. Hop. Je suis hors de portée. Tout n'est pas perdu. Pas encore. Guidez votre haine, servez-vous-en. Je comprends pas, ça marche pas. Cette puissance, c'est insoutenable. Bah putain, la vache. Ah putain, ça m'attège. J'ai pas compris en fait, j'ai... En fait, il m'a repoussé dans le portail. Excusez-moi, on va annuler la quête, on va la recommencer. Notre ennemi est implacable. Nous luttons pour la sauvegarde de l'ombre tous. Je peux endurer ce calvaire à nouveau. Prenez le Home. C'est vous qui avez la meilleure chance de lui. Il n'y a pas de paix pour nous. Pas de repos. Je retrouve mes esprits. Le Home a donc conservé son pouvoir. C'est à la fois de bon augure et fort préoccupant. La guerre est imminente. Si la domination est une forme de communication, de langage, si vous voulez.
Un langage si puissant qu'il interfère avec la compréhension que le sujet a de lui-même. C'est pour cette raison qu'il est presque impossible d'y résister. Si nous bloquons cette interférence assez longtemps, nous pourrons peut-être le contrer. Ok. Putain, mais foutez-moi la paix ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez, juste un instant. Bon, ben, moi qui voulais être peinard aujourd'hui et pouvoir tourner du World of Warcraft, eh ben, je suis appelé par une cliente, donc je vais tourner encore quelques heures, là, mais, en gros, dans une heure, faut que je parte, dans une heure et quart, faut que je parte. Bon, bref. Parlez, mortel. 1-2, 1-2. Les créatures de Zeres Mortis peuplent cet endroit... peupler cet endroit bien avant que je crée la domination. Nous avons été témoins des effets qu'ont sur elle les armées de Zoval, mais je crois que nos connaissances sont incomplètes. Utilisez le homme sur les créatures de Zeres Mortis pour tenter d'en apprendre plus sur leur résistance naturelle. Essayez le homme brisé sur des créatures de Zeres Mortis. Ok, d'accord. Ça pue, ça pue, ça pue. Ensemble, nous arracherons la victoire. Je ferai mon possible pour vous aider. Depuis que nous avons gagné la confiance des éclairés, j'ai appris davantage sur les recherches qu'ils ont menées en Zeres Mortis. Ils en savent plus que ce qu'ils veulent bien nous dire, mais ils ne semblent pas mettre ce savoir en pratique. Nous pouvons peut-être devenir le cristalliseur qui les poussera à passer à l'action dans un coin isolé qu'on nomme la clairière lexicale. Vous trouverez une ancienne du nom d'Eru. Attendez, je vérifie juste que tout fonctionne. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon, c'est ok. Excusez-moi avec toutes ces interruptions. Elle pourrait nous prodiguer de précieux conseils sur la langue des fondateurs. Allez à sa rencontre et voyez si elle accepte de nous aider. Retrouvez Eru l'ancienne près de la clairière lexicale. Okay. Chacun d'entre nous porte sa croix. Bon. Alors, c'est quoi ? Homme sur D, glyphorme indigène, cervidé. Ah, donc j'ai des cervidés. Et sur des serviteurs obsolètes. Ok. Du coup, j'ai cervidé là. Il s'en bat la race. Non, non, il s'en bat les steaks. Bon. Attends, mais lui, par contre, il est...
Il est en surbrillance, lui. Vraiment, parce qu'il était pas dans la zone, ça comptait pas, quoi. Ah, et je peux pas, et je peux pas le spammer comme comme le précédent là. Comment il s'en fout? Eh? S'en foutre, mais d'une violence. Faut que je l'aggro ou... Si je l'aggro. Ok, donc c'est bien ça. Il faut les aggro et ensuite utiliser le homme de domination pour les... Eh ben, fallait le comprendre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez. D'accord, ok, oui, donc c'est plusieurs créatures qui sont à plusieurs endroits, du coup, ok. Du coup, les cervidés, c'est fait.
Attendez, c'est sur quoi? Les glyphes. Entre là-dedans, non? Non, c'est pas ça. À mon avis, il faut que je rentre dans le... dans le tombeau à droite, là. Enfin, je sais pas si... je sais plus ce que c'est... une monture, sans déconner. Et c'est bien correct. Donc c'est pas ces trucs là. Comment je l'ouvre déjà cette merde? De mémoire, on peut l'ouvrir, mais ça me revient pas. Là, ok. Là, c'est tout petit. Hein. Bah, j'en ai un. On bat la race. T'en sors avec eux là.
Ok, il y en a un là. Ah. D'accord, c'est un joueur. Je l'ai pas vu. Il est tout chaud lui. C'est quoi? Et putain, et pourquoi ça marche pas ça? Oh non, mais stop au moment là. Ok, faut insister. Il y en a un contrebas, j'ai l'impression, non? Ouais. Faut insister un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu une notion d'aléatoire. Ouais. Pauvre bête. Bon, la prochaine. Là-bas. Ah, attendez, non, en fait. Ok, excusez-moi, je me suis trompé de. De chemin. Et je devais éternuer. J'ai couvert mon micro pour ça. Je vois un coffre là. Oh, nique ta mère. Ok, et donc il y a eux. Et justement, on est à la clairière, on est à la fameuse clairière lexicale là, donc on va pouvoir aussi voir. Serviteur obsolète. Attendez, on va quand même réinvoquer le marcheur parce que je sens que.
cet endroit. Je sens que ça pue cette histoire. Attendez, je tente un truc. Non, j'avais l'impression... Bon, écoutez, hein, je vais quand même essayer un coup, mais... Alors, salut toi. Souhaitez-vous discuter? M'emmènerez-vous la prochaine fois? Une mystérieuse bibliothèque. Ce lieu renferme une collection de textes en tout genre. Comment ce qu'il raconte, je n'ai pas la moindre idée. Je consacre mon existence à les répertorier et à les organiser avec ces envahisseurs qui perturbent l'équilibre des As Mortis. Ma tâche est plus importante que jamais. Nous devons préserver nos découvertes. D'ailleurs, vous pouvez m'y aider. Rendez-vous dans la clairière et mémorisez les formules que vous y trouverez. Puis rejoignez-moi dans la grotte. Il y a là-bas quelque chose qui pourrait vous aider. Avec votre homme, mémorisez les formules de la clairière lexicale. Parfois, le langage évolue sous vos yeux. M'est avis que c'est cette capacité d'adaptation que vous recherchez. Rejoignez-moi dans la grotte quand vous aurez fini. Nous y mettrons cette théorie à l'épreuve. Oh. Ah bah quand même. Bordel, et c'est... Le random là... J'ai utilisé quoi, une dizaine de fois là? Insister, c'est tout, mais voilà le temps que ça met. Pourquoi ça n'a pas été systématique? Non, ben, tu...